Exact. Bien-aimés frères et sœurs, internautes, amis, nous, partout et ailleurs, que bon Dieu, et Père, grâce bon Dieu, capable de tomber sous nous. Matin, nous gagnons privilège encore pour que nous intervenions et autour de thématique ça, la vie éternelle que nous joignons dans parole bon Dieu dans l'épître de Jean chapitre 2 verset 15. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Bien-aimé, t'es ouais avec moi dernièrement. Et autour de thématique là, eh bien, la vie sociale, la vie sur le plan social et la vie sur le plan physique et la vie éternelle, bien-aimé. Souvent, bien-aimé, cadeau pas toutefois apprécié. Il y a des gens qui ne pas valoriser nos cadeaux bien-aimés. Des fois, c'est si on monte à un cadeau, bon, si tu as passé la caille, on regarde, ouais, cadeau, c'est soit lié à terre, ben, si on a joué avec lui, vous comprenez, vous venez comprendre fort bien. Eh bien, c'est pas toutes les fois que cadeau a apprécié bien-aimé. Mais tout comme, il y a mon tout qui baille valeur avec cadeau. Et m'attendais, bien-aimé frère, moi, qui t'ai pesé sous concept ça. Il est regardé bien, vraiment bien-aimé dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 2, verset 8 là. Il dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. Hein? C'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. C'est le cadeau de Dieu. Bien-aimé, la vie éternelle, c'est le plus grand cadeau que le Seigneur est capable de donner. Et nous joignons à travers Papa, amour lui manifesté pour nous, volonté lui pour sauver le monde, et lui voyer petit lui, et par ce grand sacrifice, le sacrifice du calvaire, venir expier, venir effacer, venir pardonner péché nous yo, et pour que nous joignions faveur ça. On est capable de faire une faveur imméritée, ça, qui est la vie éternelle. Dans la première lettre de Pierre, chapitre 1, verset 9, là, n'a pas dit parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. Bien-aimé, quelle que soit la façon où tu es capable de formuler question, moi, je trouve que bon Dieu, le Seigneur, lui déjà répond déjà pour nous. Si nous t'as dit personnellement, moi-même t'as dit, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? Mais le Seigneur a dit, eh bien, il n'en m'a déjà, il fait déjà. Si t'as posé question, ça m'a dit, combien dois-je payer pour obtenir la vie éternelle? Il dit, me payer d'être là déjà. Vous comprenez? Et où est moi, de façon personnelle, ou c'est à partager.
Et je crois que autant qu'on doit répondre et on a questionné thématique là. Soit on a dit que devons-nous faire, que devez-vous faire pour obtenir et combien devons-nous payer, devez-vous payer pour obtenir la vie éternelle. Je crois qu'il répond déjà. Mais je regarde des tableaux ça. Moi, premier Adam, il désobéit, désobéissance totale. Et il vient avec péché bien-aimé. Et péché, il vient avec condamnation. Et après, il vient avec la loi. Et tout de suite après, c'est la mort. Le second Adam, à savoir Jésus-Christ, mais obéissance, volonté, papa partage à lui-même pour que il obéit totalement. Et l'homme garde péché premier Adam, il est venu avec justice. L'homme garde condamnation, la caille premier Adam, il est venu avec justification, bien-aimé. Bon Dieu, il fait plaidoyer, il légifère pour nous, bien-aimés, pour déclarer que nous sommes justes, bien-aimés. Et nous, la loi, la carrière première Adam, lui-même comme second, il vient avec la grâce, bien-aimés. Et premier Adam vient avec la mort, lui-même vient avec la vie. Et la vie, ça, pas qu'à l'autre la vie, nous, bien-aimés. C'est la vie Zoé, la vie éternelle, là. Et c'est lui-même qui ban nous comme le plus gros cadeau, comme le plus grand cadeau. Bien-aimé. Et Matthieu, bien-aimé, et c'est ça, nous comprenons. Pas quitter un rien influencé au nom de ça. Ou te wè avec nous et dans la vie Zoéa. Et puis, il dit, mais et toi, tu es la porte. Et resserrer le chemin qui mène à la vie. Vous me dites, ouais, la vie, ça, c'est la vie éternelle, bien-aimé. Dans Matthieu chapitre 18, verset 8, là, bien-aimé, où tu es ouais, avec nous, il dit que pied ou, que on pied ou, que bras ou, tu as capable d'avoir une occasion de chute pour vous. Coupez-le. Hein? Jetez-le bien loin. Est-ce qu'on va le racher? Est-ce qu'on va le racher Dieu? Est-ce qu'on va le racher Pio? C'est pas ça. Il y a un bagage où est capable de servir comme obstacle, comme barrière pour vous. Et pour vous regarder dans le texte, il dit mieux vaut qu'on rentre boiteux ou bien manchot, mais qu'on te gagne deux pieds ça. Ou pral comprenne, le nap fait application tek sa, eh ben, ou ka entre, ou prenne bien, mancho, mais ou papa le vive, vie éternelle sa, avec man aucun handicap bébé. Et li montre là, ou ka gen deux yeux, deux pieds ou, et puis ou ka rater la vie sa, la vie éternelle sa. Ce que le Seigneur n'y pas souhaité, ce que moi avec vous, sous l'île, n'ont pas souhaité pour que nous t'as raté la vie éternelle, ça. Et, là, nous virer le texte là, j'en nous virer le, nous, ouais, le Seigneur n'y paye prière pour nous. Et à travers le texte où nous sommes lits, Matthieu, et puis, nous, non seulement l'amour, papa, l'amour, papa. Et puis, nous, sacrifice calvaire là. Mort. Nous parlons de la mort expiatoire de Jésus-Christ. Et puis, Matthieu. Et puis, nous, la foi de l'aimé. Nous ajoutons la foi là-dedans. Parce que, et c'est ça, le texte a dit, dans la première lettre de Pierre là, chapitre 1, verset 9 là, il dit parce que vous obtiendrez. Hein? Et le salut de vos âmes.
pour le prix de votre foi. Ah, bien-aimé, nous, ouais, la foi là, li vraiment important, bien-aimé. Et chaque texte nous compare, et puis nous l'important. Jean 3:36 dit, et moi, celui qui croit au Fils a la vie. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère. Bon Dieu pas fait un plan de colère pour nous bien-aimés. Il pas fait un projet de colère pour nous bien-aimés. Bon Dieu fait un projet de salut pour un projet de la vie éternelle, bien-aimés. Oh, l'aime garder salut là et pas c'est pas c'est l'aime parler de salut c'est pas une salutation liée. Salut ça, on pourrait même il capable faire référence à délivrance. Il capable faire référence à la vie éternelle. Sozo, c'est délivrance totale. Et la vie éternelle c'est la vie Zoéa. Matéan, si gen ou moun ki à l'écoute kap tande nou, nou invite ou pou pa hésiter pou faire ça. Car ou te wè, dernièrement, nan application que nou t'ap fait, bien-aimé, nou montre ou que, eme sens nou yo, cinq sens nou yo, ou men membre nou yo, kapab servi nou comme barrière, comme obstacle, bien-aimé. Et c'est ça, matin, ou obligé, les n'a fait allusion avec bras, avec pied, avec yeux, ou, on prend bien aimé, ça y est, capable de servir nous comme obstacle, comme barrière. Et nous obligé, supplanter, au bien aimé, nous obligé, coûte, débrouiller, nous bien aimé, pour nous faire tout effort, pour nous capable de gagner vie, ça, bien aimé. Oh, c'est pas quelque chose, bien aimé, ou pour joindre, y'a vendre, soit dans boutique, soit dans magasin, soit dans shop, dans quel que soit ou bon mais ou ben soit détaillant ben non bon mais petit détaillant mais grand détaillant non ou pas besoin de ça aucun côté bien aimé la vie éternelle c'est seulement le Seigneur qui offre et ben les gens gardent définition on va mettre expression ça la vie éternelle. Au bon moment, c'est une vie en fait qui n'a pas de fin. C'est une vie en fait qui n'aura pas de fin. Est-ce que vous comprenez, bien-aimé? C'est ça qui fait l'important pour saisir après quand ça, moi avec ou les nous finissons passer ici-bas. Eh bien, bon Dieu fait réservation pour nous vivre avec l'Éternel. Oh, les t'as regardé dernièrement, mais corps nous, yeux nous, pieds nous, bras nous, au bon moment, oreilles nous, bouche nous, capable servir nous comme barrière, comme obstacle. Et nous t'as regardé bien aimé, ou bien toi grand ennemi, oui bien aimé. Au bon moment, qui a empêché ou, au bon moment, capable empêcher ou retrouver la vie éternelle. Premièrement, en fait, nous avons la chair. Et deuxièmement, c'est le monde. Et troisièmement, c'est le diable. Notre ennemi acharné. Notre ennemi, notre plus grand ennemi. Ah, il n'y a pas à remettre nous. Gagner pour ça. Il n'y a pas à remettre nous. Mais saisis cadeau ça, il n'y a pas de temps, mais nous prenons cadeau ça, ennemi ça, menteur ça, accusateur ça. On va dire, et pas oublier dans Jean chapitre 10, c'est le Job, il vient pour le détruire, il vient pour le dérober, il vient pour l'égorger, et c'est Job, bien aimé. Et ça fait, on a besoin de servir bon Dieu à tout sens sous. Ou besoin de servir bon Dieu avec intelligence sou, bien-aimé. Ou besoin de servir bon Dieu avec amour, avec corps, bien-aimé. Et c'est ça, matin, oui. Nous invitons pour comprendre ça, bien-aimé. Et c'est ça, le Seigneur, aidez-nous comprendre. Laissez-nous garder
nan Jean 3:16 la bien-aimé. On va mais c'est me capable dire c'est le verset central en fait de la Bible. Jean 3:16 dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Oh, texte ça bien-aimé. Les m'a cherché l'autre vérité en dani, vinn comprendre qui ça bon Dieu pas vle et qui ça bon Dieu vle bien-aimé. Bon Dieu pas ta remè les hommes péri bien-aimé. Mais ta remè que tous les hommes aient la vie éternelle. Dieu ne veut pas que les hommes périssent. Dieu veut que tous aient la vie éternelle, bien-aimé. Bon Dieu, pas ta remè, même nous, grand monde, bien-aimé, ne veut pas, ne veut pas que quelqu'un périsse. Mais Dieu veut que tous se repentent, qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent bien aimés. Et c'est ça, bon Dieu voulait pour nous. Bon Dieu, pas voulait la mort méchant bien aimé. Mais bon Dieu voulait, eh bien, pour méchant connaît paroli, pour méchant sauvé. Dieu ne veut pas la mort du méchant. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, qu'ils connaissent la vérité, la parole de Dieu. Là, nous regardons bien aimé dans le texte, ça, dans 2 Pierre chapitre 3, verset 9 là. Il dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience. Oh oui, c'est certainement le Seigneur, bien-aimé. Nous avons un Dieu qui est patient. Patient, bien-aimé. Et n'était-ce pas la patience de Dieu? Eh bien, oh, ça t'a vraiment foutu. Hein? Mais il use de patience, ne voulant pas qu'aucun périsse. Hein? Mais voulant que tous arrivent à la repentance. Bon Dieu, c'est repentance à chercher la caille nous. Et c'est pas pour cette raison que lui dit non, en fait, dans acte 17, verset 30 là, il dit, Dieu s'en tenu compte des temps d'ignorance qu'il annonce maintenant à tous les hommes. Qu'ils aient à se repentir, qu'ils aient à se convertir. Et c'est ça, le Seigneur a cherché au brin de main, la caille nous bien-aimés. C'est ça, le Seigneur. Le Seigneur a cherché la caille nous. Là, nous regardons dans Ézéchiel, chapitre 33, verset 11. Il dit, dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que la mort du méchant, mais qu'il change de conduite et qu'il vive. Qu'il vive. Et là, il dit, revenez de votre méchanceté. Et pourquoi mouriez-vous, maison d'Israël? Et pourquoi, Zamim qui souligne là, moun qui pourquoi connaît le Seigneur yo? Et c'est ça, oui, le Seigneur fait de bouche nos matins, hein, de chaque serviteur qui souligne là, qui déjà connaît, mais il fait de Light and Peace Ministry matin, mais hein, pour annoncer power ça avec vous, qui pourquoi connaît le Seigneur. Il fait de nous, toute équipe là, pour nous annoncer par ça, car nous pas ta remet sans ou tomber sous nous. Nous pas ta remet que le Seigneur reproche nous.
Et c'est pour raison ça, le Seigneur, il mettait dans le cœur nous, pour nous vraiment partager par ça avec vous, Matéan. Oh, Matéan, pas faire la sous d'oreille. Pas occuper, on prend le faux philosophes, qui dit, mangeons, buvons, nous n'en portons rien. Après la mort, c'est le néant. Non, la Bible en répond dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 27. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? Oh, quel jugement, bien-aimé, pour les incrédules! Quel jugement pour les têtus, pour les rebelles! Et dernièrement, tu es avec nous, qui ça qui réservé pour ennemis et alliés, pour le diable et compagnie, dans Matthieu 25, verset 41. Oh, et. Grand trône blanc, oui, et ça réservé pour incrédule, yo. Pour têtu, yo. Bon Dieu, pas son plan comme ça, nous, bien-aimés. Bon Dieu, pas son plan comme ça. Au bon, bien, dans la première lettre à Timothée, chapitre 2, verset 4 à 6, là, il dit pour les rois, au bon, bien, tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible. Au bon, bien, man est tranquille, en toute piété et honnêteté. Oh, la piété, bien-aimé, c'est vivre fidèlement aux yeux de Dieu, c'est vivre de façon intègre aux yeux de Dieu. Dans la deuxième lettre à Timothée, chapitre 3, il dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Je dis à moi avec vous, au bon, mais ça qui a passé là, ça n'a pas connu là, n'a pas besoin de peuple pour problème. Souffrance, calamité, épreuve, au bon, mais difficulté, yo. Parce que bon Dieu a nettoyé, on l'a épuré nous pour le grand jour. Au bon, mais pour être capable d'entrer dans la vie éternelle là. Pas oublier, non? Et dans la thématique là, bien aimé, dans le texte là, nous est verbe là, au présent, bien aimé. Au bon, mais. Mais ou a gardé deux pieds noirs encore sur terre, nous pouvons entrer dans la vie éternelle. Liban nous c'est vrai, Liban nous mais nous pouvons entrer, nous pouvons être forts pour nous faire bien-aimé, nous pouvons mettre foi nous vraiment en évidence bien-aimé. Il y a la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu bien-aimé. La foi est une ferme assurance. Une démonstration en fait de celle qu'on ne voit pas, bien-aimé. Sans la foi, bien-aimé, on ne peut pas être vraiment agréable aux yeux de Dieu. Oh, Matéan, bon Dieu, c'est dispensateur foi, la paix, non. Moi, mais il est en fait le rémunérateur. La paix, non. La paix, bien-aimé. Moi, mais Matéan, et c'est ça, nous, une douleur. Et Paul était tellement connaît ça, bien-aimé, dans la deuxième lettre à Timothée, chapitre 4, là, et puis la paix partagée pour ça avec Timothée, l'a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, et la couronne, la vie éternelle m'est réservée, le juste juge, moi, mais, me la donnera en ce jour-là, non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son retour, son avènement. Matin, bébé, oh, profitez de ça, non. Nous, ouais, des masques qui t'a marché avec lui, il a abandonné, au moins, mais, pour amour, siècle présent, amour, en fait, n'époque pas là. Et c'est ça, et pas pour cette raison, il dit que, non, épître de Jean, chapitre 2, verset 15, il dit, n'aimez pas le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, bien-aimé. Matéan, oh, et où tu es avec nous, on prend main, en fait, mais dans la vie sociale là, on prend main, pas quitter rien, et troubler l'esprit ou, pas attacher ou avec bien matériel, bien-aimé. Bien que nous avons besoin pour nous vivre, bien que nous avons besoin pour nous capables de survivre, mais pas quitter yo,
vraiment imprégné l'esprit ou que tes richesses, que tes fortunes, mais la plus grande fortune, la plus grande richesse ce matin, c'est la vie éternelle que le Seigneur ben nous demain pour nous vivre avec lui, éternellement, bien-aimé. Oh, on connaît ça déjà, bien-aimé. Il y a deux grandes éternités, qui est éternité malheureuse là, bien-aimé. Ce que le Seigneur il voulait éviter, non, pour ne pas tomber là-dedans. Et l'éternité bienheureuse que le Seigneur Bono, qui fait implication à la vie éternelle. Matéan, oh, profitez de ça, non. Profitez occasion ça, non, bien-aimé, pour ne pas rater occasion ça. Oh, moun ki baou là, ou bien, nous, personne là, ou bien, c'est Jésus-Christ, oui, bien-aimé. Ou bien, papa, ou bien, papa, ou elle pas qu'à perdre, non. Papa, ou bien, c'est avec compris. Ou bien, cher, ou elle pas qu'à perdre, non, bien-aimé. Et puis, le voie petite là, vient monter la croix pour nous. Et, pris ça, bien-aimé, c'est avec ça, oui, bien-aimé. Ce n'était pas avec de l'or, ce n'était pas avec de l'argent, mais c'était vraiment le prix en fait de son sang. C'est avec ça que le paye pour nous bénémer. Matéan, pas raté occasion ça, non. Bénémer sur le plan scatologique, les nappes gardées textes là, nous avons quatre grands groupes. On va mettre monde qui est capable de gagner la vie éternelle ça. Là, nous regardons dans Matthieu 27, verset 52-53, bien-aimé. Ça, c'est les sauver avant la dispensation de l'Église, bien-aimé. Et deuxième, non, nous, ouais, les sauver, les morts en Christ, les vivants en Christ, bien-aimé. Ça, c'est dispensation de l'Église, là, bien-aimé. Les morts en Christ, les vivants en Christ, bien-aimé. Est-ce qu'on comprend, bien-aimé? Non, dans la première lettre à Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13 au verset 17. Et troisième groupe là, nous voyons que c'est les martyrs de la grande tribulation, bien-aimé. Et quatrième groupe là, c'est les sauver, du millénium. Mais ça qui est important, en dedans, quatre groupes ça, il y a deux groupes, qui ont déjà en l'air, il y a deux groupes qui ont déjà transformé, il y a deux groupes qui ont déjà métamorphosé, deux premiers groupes comme ce cité, c'est fort, ça nous besoin de ça, bien aimé. M pa bezwen konnen mais ça qu'a passé pour l'autre deux groupes yo soit martyr ou bien les sauver en fait du millénium mais ça qui est important moi-même l'église là la dispensation l'église là c'est pour nous débrouiller de bénémé écoute pour les jours ça arriver moi-même pour ne pas rater occasion pour ne pas rater but ça bénémé et ça fait l'église a besoin de travail l'église a besoin de coller sur mon Dieu moi-même et ça ne fait pas pour cette raison que je te dis, ah, j'ai laissé le livre là, il dit pas fermer le livre là. Et dans le dernier chapitre là, chapitre 22e, non, verset 10 à 12 là, il dit, je viens bientôt, ma rétribution est avec moi pour donner à chacun ce qu'est son œuvre. Oh, et ça fait nous besoin de travail, bien aimé, nous besoin de gourmet. Et ça fait notre œuvre qui vaille. Mais n'a promoté ce grand nom, ce beau nom. On va mettre qui à savoir Jésus-Christ en fait notre sauveur. Matéan, qui sera attendre pour entrer la caille Meto? Qui sera entrer pour entrer la caille le Seigneur Matéan? Gé occasion pas qu'à perdre non bébé. Oh, gé occasion pas qu'à rater non bébé. On va mettre deux moments d'autres. Ou bien, la vie a gen droit, ou bien, la mort gen doit frapper pour tout. Ou bien, ou te ou avec moi dernièrement. Ou bien, et mes potes ça, il parle l'autre monde, non, mais ta force ça. Il te dit, je suis la porte, je suis le chemin.
bon mais la vérité la vie. Matin nous encourager oh, nous encourager bien-aimé. Même Jean t'a pas encouragé à l'église Philadelphie pour l'église à vivre dans obéissance, pour l'église à vivre dans persévérance, pour l'église à garder communion avec lui. Au bon mais matin nous encourager à chaque bien-aimé frère sœur, nous même déjà qui déjà connaît le Seigneur et ou même bien-aimé, ou même qui beaucoup connaît le Seigneur matin, nous inviter au matin pour cette occasion ça, saisir la vie éternelle. Saisis la vie éternelle. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne, on prenne ta couronne, ne prenne en fait ta vie éternelle. Que le Seigneur vous bénisse. Avec toute sa grâce. Shalom, shalom. Bonne journée à vous.